problème. Ah non, ça va, ça va très bien. Ça va très très bien. D'accord. Ça va très bien. Bon, et toi, t'es hétéro alors en fait? Oui, 100% hétéro, 10 000% hétéro, hétéro de la tête aux pieds, hein. Toi et moi, dans la rue, on m'appelle hétéroman, carrément, la carte, ouais. Oh, il y a hétéroman qui vole, c'est moi. Et voilà, aujourd'hui, je suis en compagnie de Kamel et de Franck. Salut. J'ai vu ce soir la pièce La Star et son gorille. Alors, les garçons, surtout Kamel, c'est ta première pièce. Ouais, c'est ma première. Alors, comment t'as atterri là-dedans? Alors comment j'ai atterri là-dedans? J'ai rencontré Franck à qui j'ai demandé d'écrire avec moi mon One Man Show, parce que je suis aussi en écriture de One Man Show. D'accord. Mais je co-écris avec Franck. Et au fur et à mesure du temps, Franck m'a proposé de jouer le rôle de Harry dans La Star Sondry, la pièce qu'il a écrite. Et j'ai tout de suite accepté. Et c'était pour moi en plus ma première expérience dans le théâtre et sur les planches aussi. Parce que t'as vu déjà dans Le Loft, dans le Loft, dans Les Anges, Hollywood Girl. C'était ta première expérience de comédien, Hollywood Girl? Ah ouais, première expérience. Mais à cause justement de cette expérience, comme c'est que t'avais déjà une série un petit rôle avec les caméras et tout ça, du coup le théâtre, j'ai l'impression d'être dans Hollywood Girl, mais c'était voilà, rien à voir. Voilà, tu vis en fait ce que tu demandais dans Hollywood Girl, t'avais toujours un scénario, tu exactement, voulais être comédien. Exactement, ouais. J'ai joué comme dans Hollywood Girl et puis Franck me disait non, le théâtre, pas fort. Il n'y avait pas de scénario. Alors Franck qui a écrit la pièce, alors Franck, ça t'a pris beaucoup de temps, comment c'est venu cette idée? Comment ça m'est venu? Non, alors c'est une pièce que j'ai écrite il y a déjà 2-3 ans en fait. Et j'avais pas pensé forcément à donner le rôle à quelqu'un de comique au départ, mais j'avais pensé à des gens plutôt comme Franck Delay, tout ça qui travaillait avec moi. Et en fait, avec tout ce qui, la rencontre avec Kamel, voilà, le fait qu'on a écrit ensemble, etc. Puis avec tous les événements qui se sont passés dernièrement, je trouvais ça super important de nous mettre tous les deux sur scène actuellement. Et puis ça a fonctionné déjà pour l'écriture du One Man qu'on est en train d'écrire. Et c'est en train de fonctionner là, sur scène. C'est la troisième. C'est la troisième. Il en reste 300. On va réexpliquer un petit peu la pièce. Tu l'as écrite quand même il y a 2 ans, mais elle est complètement d'actualité. Ah oui, elle a été réécrite, adaptée à Kamel. Voilà, c'est un Parisien homo qui est chanteur. Et la banlieue, une petite racaille. Une caïra, un robeux, chelou. On croirait chelou. Hétéro, 100% hétéro. Hé, 10 000% hétéro. Hé, je suis hétéro. Et limite homophobe. Non, moi, je suis pas homophobe, c'est juste avec PD, je sais pas quoi. Dans tous les cas, il a juste un CD de Patrick Juvet, c'est tout ce qu'il connaît. Dans la pièce. Mais on a découvert quand même qu'il jouait très bien du. D'accord, on peut passer cette séquence, merci. En tous les cas, vous pouvez les retrouver au théâtre du Gymnase jusqu'au, les garçons, jusqu'au 18 mai, tous les mercredis à 21h30. Exactement. Voilà, et profitez-en, venez vite parce que vous allez passer une excellente soirée, vous allez beaucoup rigoler. Merci. Merci. Du même pas, et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance, acceptons les différences. C'est vrai, faut de tout, tu sais, faut de tout, c'est vrai, faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Si celui qui te paraît différent, très bien, c'est le sien. Tu as le tien et j'ai le mien. Alors donnons-nous la main, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde, c'est vrai, tu sais. Faut de tout pour faire un monde.